Hello, c'est Elisa Kiss. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce que les filles détestent ou haïssent chez les gars. Dans cette vidéo, j'ai parlé seulement des gars, mais on peut aussi inclure les lesbiennes, les transgenres, donc toute la communauté LGBT. Donc, bien évidemment, dans cette vidéo, j'ai fait une généralité, ça prend le second degré. Donc là, vous allez avoir un petit moins, vous allez avoir un petit plus. Ça veut dire qu'en fait, c'est des choses qui sont plus ou moins importante. Donc le premier point, on est dans un haut level de collège. Au lycée, j'entends pas trop dire ça. Voilà, ça ne me fait pas plaisir d'entendre un gars qui dit ah bon? Putain, oh bah je vais être chômeur. Waouh, il va être chômeur, putain, mais je vais trop mettre en couple, on va avoir des bébés et tout. Tu peux le mettre avec lui, je dis pas le contraire, mais en général, quand elles entendent qu'un gars il veut devenir chômeur, ça ne nous fait pas très très envie. C'est pas ce que tu veux faire plus tard, ça nous s'en fiche. Quand t'as 16 ans, quand t'as 17, 18 ans, tu sais pas ce que tu veux faire encore plus tard, ok. Le second point, tu ne respectes pas ça, mec, tu vas à la poubelle. En gros, les filles, c'est simple, si un gars est pas intéressé par vous, il va pas vous demander et toi. De pas dire et toi, c'est. Mais non, mais même si tu te demandes juste si ça va, pourquoi tu réponds oui. Et nous, en tant que filles, ça nous dit ah ouais, d'accord, lui, il demande pas si c'est bien, et bah il va dégager. Troisième point, là, c'est les gars qui sexualisent les conversations. C'est-à-dire que on va toujours avoir des emojis pêche, des bananes, je sais pas. Mais arrêtez de sexualiser les conversations en mettant ces emojis là. Tu vas pas l'attirer comme ça, enfin là, ça va nous dégoûter. Ça sera un peu plus tard dans la conversation, mais ne sexualisez pas directement. Quatrième de la catégorie moins, on va dire un peu, c'est les gars qui sont en jogging. Pas que voilà, ça m'embête. Mais really, nigga. Les gars qui sont en jogging. Le jogging, c'est fait pour quoi? Le jogging, c'est fait pour faire du sport, pour courir, pour transpirer. Oh là, les jogging, c'est confortable, pas comme les pantalons. Je suis désolée, mais c'est exactement le même confort. C'est juste que t'es pas habitué à porter ça. Et ça fait beaucoup plus sport qu'une tenue où tu vas en cours, voilà, pour étudier, pour travailler. 5, les gars qui répondent 2, 3, 4, 5, 6 jours, une semaine, un mois après. Ok, certes, pendant les vacances, tu peux pas répondre, machin, machin. Vous faites quoi dans votre vie pour ne pas répondre? Le numéro 6, c'est les gars qui ne relancent pas la conversation. Ok, il y a souvent une personne qui relance tout le temps la conversation. On aime bien que les gars, voilà, relancent la conversation. Ceux qui relancent pas la conversation, next, parce qu'on se dit, il est pas intéressé par moi, il s'en fout de moi. Et on se dit, bah moi je m'intéresse à lui, mais lui s'en fout de moi. Numéro 7, mais les gars, ils ont pas de sujet de discussion. Enfin, nous ce qu'on veut, c'est avoir des discussions avec vous, savoir un peu des choses de votre vie. Numéro 8, quelle fille dit, oh ouais, bah moi je suis trop attirée par ces gars-là. Les menteurs, vous. Ok. Pourquoi vous mentez? C'est quoi votre but? Enfin, en fait, moi, c'est ce que je dis à chaque fois. Je dis, autant que tu me dises la vérité et que tu sois honnête et que tu me blesses, que tu me mentes et que ça soit encore pire et que mon petit cœur se déchire, en fait. Par pitié, ne mentez pas. Si vous n'avez pas envie de voir quelqu'un, vous le dites. Soyez honnête dans la vie un peu, là. Soyez pas trop honnête. On vous demande pas de non plus dire qu'on est carrément moche ou carrément laide. Mais si une fille te plaît pas et que elle te trouve très très beau, autant dire, bah, je suis désolée, je préfère que ça s'arrête là. J'ai pas plus d'affinité avec toi. Numéro 9. Comment tu veux dégoûter une fille? Si t'as pas envie que cette fille t'aime, tu parles à plein de filles, tu dragues plein de filles. Les gars, évitez. Vous pouvez avoir des potes filles, mais évitez de les draguer. Donc, numéro 10, c'est les gars qui parlent en verlan, qui ont des mots un peu déformés, c'est-à-dire que je comprends rien à ce qu'ils disent. Ok, j'écoute du cobaladé, d'accord, très bien, mais n'utilise pas les mots de cobaladé ou les mots de je ne sais pas trop qui dans ces chansons pour les utiliser en vrai. Numéro 11, les gars qui insultent tout le monde, ou qui voilà, qui disent ta gueule. Encore une fois, tu veux séduire une fille et tu lui dis ta gueule pour rigoler. T'aimerais bien que je te dise, oh bah ta gueule. Ça me fait trop rire. Ça, on le dit par message, mais on le dit pas en vrai. Numéro 12, on est en 2019, tu vois, le petit 2019. Pourquoi vous crachez dans la rue? Pourquoi vous faites que ça et vous crachez? Genre, c'est quoi déjà le but? Ça va séduire qui? De 1, personne. De 2, vous allez juste passer pour un kéké. De 3, c'est ridicule. De 4, c'est interdit par la loi, il me semble. Et de 5, y a pas de 5. Mais tu vois, est-ce que tu peux faire comme moi? T'as de la salive, au lieu que tout le monde, de la populace, profite de cette salive pour marcher dedans, s'enlever le frais. Avale ta salive, et voilà, c'est tout. Est-ce que tu crois, moi, je viens de cracher dans ton lit, sur ton oreiller, et après tu mets ta tête dessus? Ça te ferait plaisir, et pas lent. Alors, fais le pas, même si c'est que mes pieds, que c'est mes baskets. Les gars qui sont sexistes, ok, je ne suis pas féministe, et je ne compte pas l'être. Ouais, les femmes, ça fait le ménage, les hommes, ça fait au boulot.
J'ai envie de te broyer, mec. Donc les gars qui sont sexistes, mais on vous déteste, on vous hait clairement. Le fait juste d'entendre. Ouais, de toute façon, c'est les femmes qui font le ménage. Je pourrais t'en coller une, mais je le ferai pas. Parce que il y a des gens autour, par respect. Et voilà, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, je suis désolée si elle était un peu longue ou quoi que ce soit. Mais ça m'a fait extrêmement plaisir de la tourner. Voilà, ça faisait très longtemps que j'ai pas tourné vidéo. Plus, si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, faire tout ce que vous voulez sous la vidéo. Peace.